Pour le quatrième jour du vlog October. Donc, je voulais vous remercier déjà à tous de tous ces petits messages si gentils que vous me mettez, avec plein d'encouragement pour que je continue. C'est super gentil. Et franchement, c'est très, très motivant, vraiment. Parce que, voilà, c'est du boulot quand même, du temps. Et c'est vrai que tous ces petits messages, ça encourage, hein, forcément, parce qu'on voit que ça intéresse, donc ça donne envie de continuer. Donc voilà, je suis aussi des vlogs October, bien sûr. Comme vous toutes, je pense, hein, on est nombreuses à suivre donc Stéphanie, la fanette au petit pois, qui l'a déjà fait l'année dernière. Rose et Balle de Laine, bien sûr, Ludivine, qui l'a aussi déjà fait l'année dernière. Et Marine, la douce Marine qui je sais pas, je crois, non, elle l'a pas fait l'année dernière, parce que je l'aurais suivi, je le serais. Donc voilà, et ça c'est chouette de pouvoir les retrouver tous les jours, toutes les trois, parce que comme vous le savez, je suis fan. Donc voilà. Et alors aujourd'hui on va parler un petit peu crochet, parce que jusqu'à maintenant j'en ai pas beaucoup parlé encore. Et donc comme vous avez vu juste avant, je crochetais un petit peu avec ma maman. Après j'ai continué toute seule et là je me suis arrêtée parce que je voulais vous montrer un peu l'avancée de mon fameux gilet cache-cœur. Donc je crois que je vous ai déjà montré, il me semble, le début, je sais plus. Enfin bon, là j'ai avancé, donc je vais vous le montrer. Donc c'est un cache-cœur, c'est un tuto de crochet maniaque que j'aime beaucoup. Et j'en suis là. Regardez ça. Alors attendez, j'enlève mon micro parce que je me suis aperçue que quand j'essayais des choses, ça faisait des bruits pas très agréables. Alors, hop. Donc voilà. J'en suis là. Oula, que je décroche pas mon truc. Voilà. Alors, donc, toc, ça vient comme ça. Donc ça va, je pense que je vais le descendre encore un petit peu. Je sais pas trop. Parce que ça va beaucoup plus loin, elle, sa pointe. Là, c'est un peu, elle l'a descendu un peu plus, mais pourtant j'ai bien respecté les augmentations. Oui, je sais pas. Donc voilà. Alors après, en fait, elle propose de faire une bordure, une jolie bordure ici. Et je sais plus trop ici, je crois qu'il n'y a rien. Par contre, donc les manches, bien sûr, je vais les grandir. Et à la fin des manches, c'est pareil, il y a une fin en espèce de dentelle, en fait. Donc ça rajoute un petit peu de chic au gilet. Voilà. Bon, je suis contente de moi. C'est déjà pas mal. Alors pour ce gilet, moi j'utilise. Ah, je suis en train de tout défaire. Hop, voilà, pardon. Je remets mon micro, vous m'entendrez mieux. Donc pour ce gilet, j'utilise la Merino Aran, qui est toute douce. Et celle-ci, c'est la Langue Malou. Ça ressemble à du mohair. Je ne sais pas s'il y a du mohair là-dedans. Mes lunettes, je sais pas. Alors, de l'alpaga, du nylon et de la laine. Non, bon, enfin, en tout cas, elle est toute douce, c'est très agréable. Par contre, je sais pas si je vais en avoir assez pour terminer, et j'espère que la Merino Aran se fait toujours. Donc, il va falloir que je regarde. Je crois que oui, mais voilà, pour en recommander, parce que c'était des plots de mon stock. Alors, voilà pour ce pull. Je suis partie dans les pulls, là, en fait. Après, j'ai commencé un pull, je ne sais pas du tout ce que ça va donner.
Ah, je suis désolée, je me gratte tout le temps, mais je suis mangée à moustiques. J'en ai au moins une dizaine. Je comprends pas qu'ils soient pas encore tous décédés là. Ouh. Bon, bref. Oui, je disais que je me suis lancée dans un pull. Je sais pas ce que ça va donner. Alors, en fait, j'utilise le carré granit fleur, ben, comme ma couverture qui est là, que je vous ai présentée plusieurs fois. Vous avez d'ailleurs le diagramme de ce carré granit sur mon Instagram. Je l'ai posté. Je vous mettrai le lien de mon Insta et en redescendant un petit peu dans le fil, vous le trouvez. Et je vous le remets là si vous voulez en photo. Comme ça, vous pourrez faire une photo. Donc, j'ai fait quatre carrés comme ça. Alors, on les fera ensemble parce que j'ai modifié. Enfin, non, c'est pas vraiment modifié, mais au lieu de faire ici des brides, je crois, j'ai fait des doubles brides que j'ai séparées avec deux mailles en l'air au lieu d'une. C'était juste pour agrandir un petit peu la fleur. Donc voilà. Alors, j'ai fait celui-ci. Alors, deux comme ça et deux jaunes, je vais faire, que je viendrai installer au milieu du pull, ici. Donc ça fera un espèce de pull en relief. Je vais donc les coudre ensemble, les assembler tous les quatre. Puis je vais continuer le granit tout autour. Donc je vais le grandir pour faire le carré du devant. Ensuite, le dos, je reprends un granit simple hein, dans le dos, je ne refais pas de fleurs. Donc celui-ci, que je vous mets aussi en photo si ça vous intéresse. Voilà, donc ça c'est le dos que j'ai commencé. Donc il y aura le dos un carré, le devant un carré granit avec mes fleurs assemblées. Et ensuite, je vais monter un petit peu au niveau des épaules pour créer un col ici, vous savez, de chaque côté en laissant le milieu comme il est. Et après, je viens assembler donc le devant, le derrière et puis je fais les manches. De toute façon, je vous le montrerai au fur et à mesure. Et on verra ce que ça donne ensemble à la fin, si c'est rigolo ou si c'est tout pourri. Voilà, à voir. Mais je trouvais ça sympa, des grosses fleurs comme ça peut être gai ou pas. Voilà. À voir. Donc, pour faire ce pull, alors j'ai été chez Zeiman, je ne sais pas comment on prononce, bref. Alors, ben, c'est vrai que je vous en parle souvent, mais. C'est comme ma couverture, je ne sais plus si je vous ai présenté la laine pour ma couverture, mais j'ai été là-bas aussi. Mais c'est vrai que ça fait des pulls à pas très cher. Donc voilà. Comme en ce moment, ma fille est partie sur Aix faire ses études. Donc on connaît tout ça, je crois. Les budgets sont un peu restreints, du coup. C'est normal, on est tous pareils. Et c'est très bien pour l'instant. Et en fait, franchement, je me suis déjà fait des choses avec et au lavage, enfin, franchement, elle tient bien, quoi. Alors, pour ce pull, j'ai utilisé la Royale. Alors, j'ai pris. Donc, en ce moment, en plus, ils font plein de jolies couleurs d'automne. Donc, j'ai pris ça. Voilà, ça, c'est pour faire les fleurs. Et ça, c'est pour faire le pull marron. Tout en entier. Donc voilà pour ce pull qui j'espère va rendre être rigolo quoi, parce que c'est du boulot. Voilà. Et je suis partie aussi sur un troisième pull. Alors là, c'est un pull pour ma fille, je ne l'ai pas commencé celui-là. Mais je vais le commencer aussi parce que c'est sympa finalement. Je ne suis pas du tout monoprojet moi. Je suis milliard projet. Donc alors, toujours chez Zeeman. J'ai acheté, alors elle a trouvé celle-là qui est un petit peu plus moelleuse parce que celle que je vous ai montrée c'est que de l'acrylique et là il y a 80% d'acrylique mais il y a 20% de laine. Du coup ça la rend un petit peu, je sais pas si on voit, ouais, un petit peu plus cheuse. Bon voilà, un petit peu plus jolie. Alors là, je vais faire tout simplement le pull de, je vous le mets là, le pull de Mamie Crochet que j'avais fait l'année dernière pour moi, mais que j'avais allongé, vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour faire une robe. Oh, vous me reverrez passer avec sûrement, je l'aimais bien. Donc voilà, ça je vais le commencer dans pas très longtemps. C'est aussi quelque chose qui va nous suivre le long de mois, du mois d'octobre, pardon. Je bois un petit coup. Donc voilà. Alors, c'est beaucoup de blabla aujourd'hui. Hein.
Je voulais aussi vous faire un espèce de petit haul de chez Action. Je suis fan de chez Action. Et j'ai pas essayé encore, mais je vous l'ai présenté maintenant parce qu'en fait, c'est en ce moment, il y en a. Et chez Action, ce que je disais l'autre jour, il y en a. Puis après, bouf, il n'y a plus rien. Il n'y en a plus. Donc, je vous les présente, mais on essayera ensemble. Alors, j'ai acheté ça. J'ai acheté, c'est un crayon, en fait. Alors, j'ai pas trop compris le système. En fait, j'ai pas trop regardé. Voilà, c'est un stylo thermique. C'est bien ce qui me semblait. Je ne voulais pas dire de bêtises. Je vous lis. C'est un stylo thermique permettant de créer des fins effets métallisés sur les cartes, les bullet journal, le scrapbooking. Et moi, c'est surtout pour mélanger avec l'aquarelle, en fait. Donc, en fait, c'est un crayon thermique. Voilà. Donc, on peut faire des dessins, des écritures assez fines, dorées. Je suis curieuse d'essayer ça, quand même. Ça peut être sympa, hein. Vous voyez, ils mettent les... Je sais pas si vous voyez bien, si c'est net. Donc, voilà, ça pourrait être bien sympa. Alors, je vais vous montrer aussi, j'ai acheté là-bas de la gouache. Alors, parce que comme vous savez, j'aime bien dessiner, j'aime bien l'aquarelle, tout ça, comme beaucoup. On est beaucoup par ici, je crois, à aimer dessiner. Et je voulais essayer depuis longtemps la gouache. Alors c'est marrant parce que Ludivine en a parlé il n'y a pas très longtemps. C'est vraiment pas fait exprès. Je suis énormément d'illustratrices qui travaillent à la gouache. Et alors leurs illustrations, je les adore. Je pense que c'est plus compliqué que l'aquarelle. Mais voilà, je voulais essayer. Donc pour essayer, j'en ai acheté chez Action. Voilà, toute simple, hein, des tubes de gouache. Comme pour les enfants en fait. Et si j'aime bien, c'est bientôt mon anniversaire. Et j'ai repéré une palette de gouache sur, je crois que c'est sur Amazon. Moi, je vais dans tous les endroits où il ne faut pas, mais bon, c'est pas grave. Vous avez l'habitude maintenant. Et donc, je la demanderai pour mon anniversaire si ça me plaît. Enfin, surtout si j'ai... Donc, les illustratrices, dont une d'ailleurs, qui travaille à la gouache... que j'adore, c'est Marie Boisseau. Elle peint toutes ses illustrations à la gouache. Et c'est magnifique ce qu'elle fait. Vous la connaissez peut-être. Hein. Je vous montre une de ses illustrations, si vous voyez le style un petit peu. J'adore. Tout simplement, j'adore. Donc, il y en a plein de trop jolies. Ça, c'est pour l'Inoctober, parce qu'en fait, elle a fait une liste aussi pour l'Inoctober, qui est très sympa. Et vous savez, je participe à l'Inoctober, et je vais sûrement passer de la liste officielle, comme je vous ai dit tout au début, à sa liste de temps en temps. Ça change, parce que des fois, je ne suis pas inspirée par la liste officielle. Donc, et la sienne est pas mal. Par exemple, l'illustration que je vous ai montrée, c'était pot de fleurs. Et par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 4, c'est fenêtre. D'ailleurs, ça pourrait être fenêtre, ça pourrait être sympa d'essayer ça. Du coup, j'ai déjà une idée. Enfin, voilà, passer d'une liste à l'autre. Parce que ça sera peut-être plus facile pour l'inspiration. Donc voilà pour Marie Boisseau. Et je vais aussi sûrement m'inscrire à son Patreon. Parce que franchement, j'adore. Et j'ai envie d'avoir des illustrations d'elle. Et puis de la soutenir aussi pour son travail. Et voilà, c'est vraiment, vraiment une illustratrice que j'adore. Ensuite, j'ai acheté... ça, je vous les montre quand même. Mais c'est juste comme ça. Parce que c'était très joli. Je sais pas ce qu'ils valent. Parce que j'aime bien les beaux pinceaux quand même. Mais là, je sais pas si on voit bien. Ils brillent. C'est des pinceaux pailletés. Alors franchement, rien que pour décorer dans le pot, je trouvais ça super joli. J'ai acheté aussi, on fera sûrement ça ensemble, de la pâte à modeler durcissante. Je voudrais faire quelque chose, vous verrez, on fera ça ensemble. Et quelque chose aussi que je voulais vous montrer, c'est surtout pour Noël, mais franchement, si ça vous plaît, allez-y, parce que je crois que ça va partir vite. Voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment vous les montrer. Ce sont des petites maisons à monter en carton et ensuite à décorer avec le feutre blanc.
Et comme je fais la collection de petites maisons en céramique, je me suis dit que pour un décor sur ma cheminée avec mes petites maisons en céramique, ça pourrait être sympa. Surtout qu'apparemment, il y a moyen de glisser une guirlande dedans. Donc franchement, c'est, je sais pas comment. Voilà, c'était vraiment pas cher. Donc en fait, à l'intérieur, ça se présente comme ça. Je sais pas si on voit. C'est à détacher. Non, on voit rien. Et donc elles sont en trois dimensions, hein. Là, on voit bien celle-ci, regardez. Donc, ben, on essaiera ensemble aussi, mais plutôt à la fin du mois. Voilà pour mon haul action. En fait, c'est sympa des hauls. Des fois, moi, je regarde, mais c'est chouette, ça donne des idées. Ouais, je trouve ça sympa. Donc, voilà. Et ben, écoutez. Je crois que pour aujourd'hui, ça sera court et ça va s'arrêter là. Il y aura des jours sûrement un petit peu plus tranquilles que d'autres, à moins que j'aie le temps de faire l'illusion, à moins que j'aie le temps d'essayer avec vous ça aujourd'hui. Mais je suis pas sûre. Hein. Peut-être je vais finir là ou enfin à voir. Donc si je vous revois pas, je vous dis à demain. De toute façon, on l'essayera ensemble. Puis je vous embrasse très fort et passez une belle soirée. Et puis bah écoutez, à demain.